comment calculer un nombre de jours ouvrés entre deux dates en excluant les week-ends et les jours fériés? C'est une question que s'est posée Benny sur mon groupe d'entraide et je vais répondre dans cette vidéo. Excel permet en effet de calculer le nombre de jours entre deux dates. Le nombre de jours ouvrés sera donc pour une semaine classique en France du lundi au vendredi et on exclut le week-end. Excel propose une fonction qui s'appelle NB jours ouvrés INTL. Cette fonction-là va prendre en paramètre la date de début, puis la date de fin, et je vais ensuite définir que signifie le week-end pour nous. En France, le week-end est le samedi dimanche, donc je vais positionner ce paramètre à 1. Si jamais le week-end était un dimanche lundi, je mettrais 2, comme l'indique la liste. Donc je mets 1. Ensuite, dernier paramètre, je vais définir ma plage de jours fériés. Ici, je me positionne en novembre. J'ai défini ma liste de jours fériés ici dans cette colonne. Donc, je prends la plage que j'ai définie à côté. Je ferme la parenthèse et Excel me compte 24 jours. Il a exclu donc le 1er novembre. Cette fonction va donc bien prendre en compte d'enlever les week-ends du samedi dimanche ainsi que les jours fériés qu'on a définis dans notre plage. Voici donc comment calculer un nombre de jours ouvrés entre deux dates. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma formation.